Dans ce tutoriel vidéo sur l'animation dans Maya, nous allons regarder les différentes possibilités du système d'animation par layer, donc du layer animation, donc un système d'animation par calque, comme on peut le voir ici dans notre scène 3D. On a un personnage qui essaie d'attraper une balle et qui finalement va totalement s'étirer, donc en mode cartoon pour réussir à attraper cette balle. Et donc on va procéder par différents calques d'animation progressifs pour arriver donc à une animation combinée qui va combiner donc plusieurs déplacements d'éléments et de guides donc du personnage qui vont nous permettre d'obtenir donc l'animation finale. Donc on va voir toutes les possibilités ici des layers d'animation en mode additif. Donc on verra que l'on a donc la possibilité d'avoir d'autres types de modes de fusion des calques d'animation entre eux dans Maya. Et ici dans ce premier tutoriel de réalisation donc d'animation multiple, on va être donc avec des calques en mode additif et voir quels sont donc les avantages et les inconvénients de ce mode qui permet donc de cumuler des niveaux d'animation dans une même scène. On va donc créer quelque chose d'un peu exotique et plutôt cartoon, donc en venant créer un layer cartoon, donc create layer from selected ici, un petit layer d'abord pour commencer ici. Ok, hops, on va donc venir sélectionner donc une couleur. Donc on va être à court de couleur en bleu ici, voilà. Ok, on va remettre donc le mouvement de la tête ici, le bras donc qui tend vers donc et la tête qui regarde donc en direction de la balle. Ok. Donc pour un personnage cartoon ici, c'est pas suffisant. Il a besoin d'attraper la balle et de la voir de près. Donc ici, on va venir donc mettre sur cet empty layer ici, donc ici le guide de la tête. Donc bouton dans la souris Add Selected Object, le poignet donc aussi. Ici, Add Selected Object, voilà. Et on va avoir donc ces deux éléments ici que l'on va donc sur lesquels on va venir donc en 1. Ok. On va donc ici mettre en mode solo donc l'anime layer. Remarquez bien qu'en mode solo ici, normalement, je devrais avoir mon personnage qui est dans son état initial. Pas tout à fait, puisqu'on a la base animation qui joue toujours. Donc on verra dans les prochaines animations si vraiment on veut donc partir d'une position neutre, on a intérêt donc à rien mettre sur la base animation ici. On a tout intérêt donc à avoir une base animation sans aucune clé d'animation et sans aucune pause même. Et donc avoir donc si on prend un personnage, donc le personnage dans sa position initiale de setup et commencer tout de suite donc à monter une animation sur un layer, de telle manière que quand on va travailler donc sur un layer par exemple ici donc anime cartoon, eh bien on soit dans une position neutre de départ sur laquelle on va pouvoir apporter donc des translations et rotations de manière assez neutre. Ok, donc ici je pars de cette base là ici et je vais venir donc jouer en termes donc de translation en venant donc par exemple étirer mon bras ici éventuellement. Ok, alors CTRL Z ici, l'élément ici donc en translate key selected ici, donc je joue juste sur le translate. Donc animation cartoon, je pourrais rajouter cartoon étirement, puis je rajoute translate pour s'en souvenir, hein. Ici, ok, et donc je vais venir par exemple en une quinzaine de frames, il va venir donc étirer
son bras ici, okay. Sur l'axe principalement, donc ici je pourrais éventuellement l'ajuster si nécessaire, okay, dans cette direction-là. Okay, on remonte un peu juste, voilà. Donc on a un mouvement comme ça, exagéré, okay, qu'on va pouvoir donc rajouter. Et de la même manière, au niveau de la tête, ici, on va pouvoir donc avoir ici un mouvement de translation. Okay. Donc, on pose une clé aussi d'animation sur les trois axes, Key Selected ici. Et on vient donc en 15 aussi de la même manière, tirer donc sur le personnage. Ok, éventuellement, on pourrait mettre du rotate ici. On va voir ce qu'on va devoir donc rajouter. Ok. Donc à partir de là, eh bien, on enlève donc ici le mute. On met donc le mode actif, donc anime, cartoon étirement translate. On met le weight à 0. Ici, et puis on vient donc déplacer donc notre mouvement, il tourne la tête, et au dernier moment, ben, on aimerait bien qu'il puisse se rallonger le bras ici et venir donc attraper la balle. Ok, et donc à ce moment-là, on a notre anime cartoon étirement translate ici qui est positionné donc au départ ici avec un weight donc à 0. Donc on va récupérer les clés d'animation ici. Ok, donc on va faire bouton dans la souris, Select Object. Ok, donc on sélectionne les deux objets. Les deux objets sont sélectionnés. Ça me permet de récupérer donc les clés d'animation ici dans la timeline. Je peux faire la même chose dans le Graph Editor ici et je viens donc déplacer mes éléments donc vers. Je vais commencer donc vers 35. Pour mélanger un peu les animations ici. Il n'est pas à la fin de l'étirement de son bras, je dirais normal, et il va commencer éventuellement à avoir donc un étirement un peu plus prononcé. Ok, donc je viens ici en 36. Si je mets du weight ici, ok. Au départ, donc j'ai rien puisque en 36 je suis sur la première clé bleue, donc il n'y a pas de mouvement. Si je viens maintenant donc vers 45. Et que je commence à monter le weight, et donc j'ai un étirement qui commence donc à se faire avec une valeur donc plus ou moins importante. Donc il faut que je regarde en 40 ce que ça va donner ici. Ok. Et on est donc déjà ici en 50 où on a donc en fait l'intervention ici du layer donc anime poignet droit sur lequel il y a des clés d'animation. Donc si je regarde ici en solo, donc j'ai remis des clés ici qui viennent donc étirer le bras vers le bas puisque donc on a donc des valeurs ici en 60-70 avec des valeurs du bras donc en bas. Donc si on additionne effectivement l'anime cartoon, eh bien, on n'obtient pas à 100% donc l'étirement cartoon que l'on recherche. Je vais plutôt donc pour terminer mon animation, donc j'ai un weight à 1, supprimer directement donc les clés okay, qui me posent problème. Donc à partir de 50, ça sera plus simple pour la compréhension. Delete ici. Et donc j'ai bien donc le mouvement ici. Voilà, hop. Voilà. Donc j'ai bien le mouvement et le mouvement maximum du bras. Et ensuite donc ça redescend. Et l'étirement, ok. Et donc ici sur le mouvement maximal du bras, ok. Si on vient sur donc anime poignet verbal, ici on est au maximum, ok. Et ici donc on va prendre l'animation cartoon, ok, et que l'on va donc aussi déplacer Selected Object, les deux. On prend les deux éléments et on les déplace donc voilà, pour atteindre une asymptote à peu près donc dans les environs de 45-50. Ici, on pourra éventuellement redéplacer. Voilà. Ok.
personnage commence à se déplacer normalement et tout d'un coup s'étire, okay, jusqu'à donc une valeur maximum de 45 ici. Après, ça rediminue. Donc, on va déplacer cette clé-là en 45, voilà, pour avoir donc l'étirement maximum. Ok, hop, voilà. Donc, l'animation va jouer jusqu'en 45 pour avoir l'étirement ici. Et donc, à partir de là, ben, on pourra éventuellement donc arranger l'animation cartoon, donc qui viendra cumuler de manière abusive donc ici l'étirement donc du personnage. Éventuellement, on va revenir donc sur la clé précédente ici. On peut poser donc une rotation key selected au niveau donc de la rotation. Vérifier que donc pendant ce laps de temps entre ici 33 et 45, eh bien on n'a pas de rotation supplémentaire et qu'on va pouvoir se permettre donc d'appliquer une rotation cartoon, je dirais. Donc ça veut dire une rotation ici qui permet donc de regarder la balle de très près ici. Ok, voilà. Donc on a tous les petits mouvements et l'addition ici. Et puis donc il reste plus qu'à régler donc la fin ici de la main. Ok. Et donc on va venir finir donc d'étirer ici. Pour que notre personnage attrape donc la balle. Ok, donc voilà ici le phénomène. Oups, ici en 45. Ok, donc à partir de là, eh bien, on va revenir pour terminer l'animation donc sur Animball ici, venir réactiver donc le mode ici donc de contrainte entre le poignet et la balle, de telle manière que au retour donc la balle reste accrochée à la main. Comme s'il avait donc capté, attrapé la balle. Donc on revient ici sur la nimbal, sur la balle ici. Donc on est ici donc à la fin de l'animation en 45. Ok, en 45, donc on va venir en 44 juste ici. Ok, une clé juste avant. Il attrape la balle en 45. Et donc en 44, on va venir donc reposer une clé d'animation ici. Bouton de la souris key selected. Alors on pourrait utiliser les courbes palier. Ici ça va plus vite de fonctionner de cette manière-là. Ici, on pose donc une clé d'animation sur ce paramètre. Ici, donc on est bien à 0 sur ce paramètre-là. Et en 45, ok, donc on bascule avec une valeur donc de 1 ici. Ok. Et on va venir donc corriger immédiatement donc le déplacement relatif qu'a subi donc la balle à ce moment-là. Ici, on va ajuster donc le mouvement juste de la balle, telle manière qu'on a l'impression qu'on a une continuité. Voilà. Ok, donc en mouvement, la balle ici. On a changé un peu les clés ici d'animation pour donner donc une impression de mouvement au dernier moment. Hop. Donc, on pourra rapprocher encore la clé 44 de la future clé 45 ici qui va venir capter donc hop, voilà. Ici.
entier. Donc, on pourra améliorer ce passage-là éventuellement, donc encore une fois, avec une progression du weight, comme on l'a vu sur les précédents tutoriels qui faisaient appel donc au travail sur des contraintes multiples, donc plusieurs contraignants sur un même objet, qui permettent donc de faire des passages de contraintes de manière progressive. Ok, donc ici, eh bien, le but de la manip étant donc de travailler sur l'animation en layer. On obtient donc le résultat un peu recherché ici. Le personnage récupère la balle. Alors qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, on a donc un bout d'animation qui se joue. Alors, il faut savoir quel est ce bout d'animation maintenant qui se joue ici. Donc, on a donc ici, on va couper donc les différents types d'animation. Ici, on a cette animation-là. Donc en fait, elle se bloque ici. Donc l'animation cartoon, c'est pas elle qui se joue à la fin, ok. Tourner tête, donc on va laisser tomber. Animation tête aussi. Poignée verbale ici. Donc là, l'animation, elle est s'arrêtée donc en 45 ici, ok. Donc si on revient sur la poignée, okay, jusqu'en 50 ici. Okay, donc on a un petit mouvement en 50 ici de retour donc de la balle sur anime poignée verbale. Ok ici. D'accord. Et puis donc et ici l'animation donc du poignet sur la ligne donc d'animation jaune. Ici, on n'a pas donc de retour à partir de 40. Donc le reste d'animation que l'on voit donc après 45, c'est bien donc l'anime poignée verbale qui revient donc qui est dans cette position vers 45, ok, et qui revient donc progressivement 50, et on pourrait ramener donc à ce moment-là le hop, ici voilà en 60, ok. On a donc ce retour ici, voilà. Donc maintenant, si on réactive tout, ok, on attrape la balle et on revient, ok, ici en 60. Donc maintenant pour terminer l'animation, eh bien il faut enlever donc anime cartoon étirement translate. Ok, si je le remets à 0, hop, je retourne donc dans ma position initiale, puisque ici sur anime poignée verbale, j'ai donc ici la valeur en 60 qui me ramène la main. Ok, donc à partir de 45, on revient ici. On est weight au maximum ici. Donc on commence à avoir une descente, donc une progression. Et dès 46 ici, on va poser une clé sur le weight donc de l'animation cartoon. Et puis on va descendre progressivement jusqu'en 60. Ok. Ok. Donc voilà ici l'animation, la balle qui part, le personnage qui attrape la balle et qui la ramène et qui redevient donc normal. Bien sûr, on peut ajuster tout cela. Juste donc ici la démonstration que l'on peut donc accumuler de l'animation par couches successives, par calques successifs exactement, dans ce type donc de d'animation, de déplacement et de rotation d'éléments donc d'un personnage, des guides d'un personnage. Donc voilà ici le résultat donc final en playbast. On voit l'animation et l'étirement donc cumulés ici de manière bien sûr très exagérée, hyper cartoon donc en mode élastique
ici. Ce que l'on peut donc juste noter sur l'animation, donc si on revient sur ici sur l'animation, c'est en fait que on déploie donc pour aller chercher la balle un mouvement un peu complexe, donc entre guillemets, avec donc un début donc d'articulation, d'hésitation du bras, et puis donc ensuite une montée et puis un étirement ensuite. Et le retour se fait de manière beaucoup plus linéaire, puisque en fait il est dû principalement le retour donc à une variation du weight de l'anime cartoon étirement translate. Et donc c'est une façon rapide de fermer l'animation, mais c'est aussi une façon très linéaire de le faire. On a un retour de la tête et du bras de manière très très linéaire ici, alors qu'on avait quelque chose au départ d'un peu plus compliqué en termes de rotation du poignet, du coude, pour aller chercher la balle. Okay. Donc éventuellement, pour bien terminer l'animation, on évitera donc le weight ici, et on viendra donc bouger, faire varier les paramètres donc dans le calque d'animation, l'animation layer anime cartoon étirement translate. On mettra les paramètres dans l'autre sens, donc ça veut dire qu'on fera une translation dans l'autre sens, de telle manière que la tête et le bras reviennent donc dans des positions normales, mais par clé d'animation donc au niveau des translates de la tête et du poignet droit, et non par weight ici. Donc encore une fois, c'est juste pour terminer et montrer donc la différence, noter plutôt la différence entre le fait qu'on peut faire intervenir le weight ici pour la fin de manière rapide et confortable. On a deux clés d'animation à poser, alors que si on voulait vraiment bien terminer l'animation, il faudrait donc à ce moment-là travailler donc plusieurs clés d'animation sur le layer donc d'animation anime cartoon étirement translate. Voilà. Ok, donc on va voir dans les prochains tutoriels donc les autres possibilités, les autres modes de fusion donc de ces animations layer pour d'autres donc types d'animations.